Après la folie des headbands et des couronnes de fleurs, une nouvelle tendance capillaire tout droit venue d'Angleterre agite les blogueuses, la tapisserie de cheveux. Vous avez bien entendu, la tapisserie de cheveux. On connaissait les fils colorés qu'on enroulait dans nos cheveux dans les années 90, mais la tapisserie, on ne voit pas. Alors, qui mieux que des pros de la coiffure pour nous éclairer sur ce phénomène ? Première difficulté, trouver un coiffeur qui puisse nous en dire un peu plus. Tapisserie pour cheveux ? Vous savez pas ce que c'est ? Non, absolument pas. Peut-être avec des pochoirs, je sais pas. Certainement, ouais. Bon, et cette photo, ça vous inspire quelque chose ? Waouh, c'est bizarre. D'accord. C'est pas du tout du pochoir, très bien. Non, c'est tissé dans les cheveux, tissé, en fait. C'est un tissage, il devrait dire tissage pour cheveux. La tapisserie de cheveux est en réalité un tissage. Cette mode fait un sacré buzz sur le net. Nous avons voulu la tester pour savoir s'il faut, oui ou non, succomber à cette bizarrerie. Pour nous aider, deux professionnels. D'un côté, Carole, couturière aux doigts de fée. De l'autre, Fred, un coiffeur blogueur qui aime tester les nouvelles tendances. Ils n'en ont jamais réalisé, mais ont accepté de se prêter au jeu. Pour cela, ils se sont munis du kit idéal. On a besoin de fils, des aiguilles à broder, donc avec un bout rond, un tambour à broder pareil pour fixer la mèche de cheveux, de la laque, ça va être indispensable, et un peigne. Le tout pour une vingtaine d'euros dans une mercerie. Rien d'insurmontable pour l'instant. Ça n'a pas l'air vraiment compliqué. Si on comprend bien le principe, je pense que ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Mais je suis sûr que ça peut être sympa et qu'on peut faire un truc rigolo. J'ai hâte, j'aimerais bien essayer. Carole et Fred sont emparés et plutôt confiants. Mais du côté de Julia, la modèle, on ressent comme un léger stress. Tu vas pas les arracher ? Non. Je t'en laissais un peu quand même. Chez Fred, le coiffeur, première difficulté, placer le tambour à broder sur la tête de France, son modèle. Il semble que je l'ai mis à l'envers, non ? Pas vraiment de sens, non ? Pourquoi ça sort comme ça ? Je recommence. Première étape réussie, ça nous a pris 1h15. Mais... 1h15, Fred exagère, seulement 15 minutes. Mais c'est toujours plus que chez Carole, la couturière qui tisse déjà. Fred rattrape Carole, mais le coiffeur n'est pas dans son élément. Plutôt que de tisser, il préfère faire des boucles autour du cheveu. Je suis en train de tout foirer parce que je fais des pâtés. C'est des problèmes de couture, quoi. Premier constat, il faut aimer broder. Comme son nom l'indique, la tapisserie de cheveux repose sur du tissage à partir de mèches de cheveux. Comme un tatouage éphémère, chacun peut créer ses propres motifs, mais plus facile à dire qu'à faire. Ça me plaît pas. Je redéfais. J'arrive pas à avoir le résultat que je veux. Je sais pas comment faire pour avoir un zigzag. Plus d'une heure de tissage plus tard chez Carole, la tapisserie est terminée. Enfin presque. Aïe. Les cheveux sont pris dans le tambour. Et ça s'enlève pas ? Non, ça ne s'enlève pas. Mon tambour est pris en sandwich dans mon tissage. Du coup, c'est pas portable. Heureusement, Carole a pu ôter tous les cheveux pris dans le tambour. Il est temps pour Julia de découvrir le résultat. C'est assez joli. Ça fait des... Je trouve ça marrant le fait que ça fasse plein de petits ronds, en fait. Comme plein de petites mèches. Faut vraiment qu'on ait le style qui aille avec, ouais. Je pense. Carole est mitigée. Qu'en est-il de Fred ? Oh ! Alors, tu vois, j'étais un peu raté ça. Le tambour à broder a laissé quelques traces. Alors, sans... Non, mais ça peut être intéressant, c'est joli. Il y a un côté, pourquoi pas ? Moi, ça me fait penser à des bracelets brésiliens de cheveux. Ça fait un peu trop tapis pour moi. Trop tapis, puis trop épais. En fait, je crois que j'aime pas les tapisseries de cheveux. Oui, Fred, on avait compris. En une seconde, il retire la tapisserie. Carole et Julia, elles vont passer une heure à couper fil après fil. C'est un truc qui prend du temps et à faire et à défaire. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'en succombant à cette folie, il vous faudra beaucoup de temps, de patience et surtout un volontaire motivé pour vous aider.